qu'est-ce que tu fais encore? Je cueille un œuf, ça se voit pas. Mais ça se cueille pas comme ça. Ah! Et salut à tous les confinés, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là. Vous connaissez tous. Une poule, ça lâche un œuf, ça on connaît tous. Et je compte vous faire un life hack, c'est celui-ci. Comme vous me connaissez tous, moi, professeur le confiné, il peut voir ça de ses propres yeux, vous connaissez bien. Sur vidéo, tout est beau, tout est rose, mais maintenant, je voudrais bien voir la réalité. Donc, dans cette vidéo-ci, on va mettre un œuf dans du vinaigre blanc, un œuf dans du lait, et un œuf aussi dans du coca. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est la science qui a décidé cela. Donc nous, on va juste le faire. Et après, on va laisser mijoter ça pendant 24 heures. Vous voyez, 24 heures. Bon les confinés, avant que je commence ce life hack, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, on est bientôt les 700 abonnés. Ça me fait vraiment un grand, grand plaisir. Et à 700 abonnés, je compte faire gagner vraiment quelque chose de très, 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 très beau. Donnez-moi un œuf. Donnez-moi un œuf. J'ai besoin d'un œuf. Allô? Un œuf, s'il vous plaît. Donnez-moi un œuf. C'est quand même pas compliqué, un œuf. Un œuf, s'il vous plaît. Un œuf. Ouais, c'est pas compliqué. Merci. Donc, comme j'ai pu dire, on a besoin du vinaigre, du coca et du lait. Alors après, c'est simple, on va juste remplir les récipients jusqu'à ce que l'œuf est en dessous. Là, c'est parti avec le vinaigre. Donc là, on le remplit avec du vinaigre. Maintenant, le lait. Et maintenant, le coke. Regardez-moi les expériments de le confiné. Ça mousse. Donc voici maintenant les trois récipients avec le coca, le lait et le vinaigre. Maintenant, on ne doit plus qu'attendre 24 heures. Et dans 24 heures, on aura un résultat. En tout cas, je l'espère. Et si on n'a pas de résultat, on pourra dire que c'est un gros fail. 24 hours later. Comme vous pouvez le voir, le vinaigre réagit déjà sur la coque de l'œuf, alors que chez le coca et chez le lait, il ne se passe pour l'instant rien du tout. Donc voilà, avec le lait on va le sortir. Bon, il y a juste la texture. L'œuf est encore vraiment dur. Je pense qu'il n'y a vraiment rien de grave. Par ici c'est un peu collé mais sans plus. Mais non, on va juste voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, ça déjà, pas réussi. Maintenant dans le coca. Bon. L'œuf il est devenu noir. Regardez, l'œuf il est devenu noir. Oui. Bon, maintenant, test. Dites-moi en commentaire maintenant, est-ce qu'il serait noir à l'intérieur ou pas? Vous avez 3 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Résultat. Et non. Non. Comme vous pouvez le voir. Reste là qu'on pouvait voir le vinaigre, il a quand même bien attaqué l'œuf. Là je suis curieux. C'est parti. Oh, et c'est visqueux. Regardez. Oh, regardez ça les amis. Regardez, c'est une balle magique. Donc là les amis, comme vous pouvez le voir, on a bien expliqué l'œuf, vous voyez. Et maintenant on va voir la résistance qu'elle a. Est-ce que si je la laisse ici, est-ce qu'elle va péter oui ou non? Est-ce que si je la jette, elle va péter oui ou non? Là, on va voir ça maintenant en fait. Là on va calculer de voir de quelle hauteur avant qu'elle éclate. Donc c'est parti.
Donc là, on va commencer avec une petite distance de 10 cm, une hauteur, c'est parti. Donc, les 10 cm, il a résisté, il a juste fait quelques rebonds, quoi. Donc là, on va prendre un peu plus haut, on est parti pour 20 cm. C'est parti, 3, 2, 1. Elle est résistante. Les 20 cm, il n'y a pas eu de problème, là on prend vraiment directement, on essaye les petits 40 cm. Là c'est parti, 3, 2, 1. Et c'est la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. À 40 pouces bleus, comme j'ai déjà pu dire, partie 2, life hack. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!